ça a été ça. Et que du coup c'est vrai que sans le pouvoir, c'est des organisations plus importantes aujourd'hui. Donc, comme c'est des personnages historiques, on travaille uniquement avec les quelques photos qu'on peut trouver, s'il y en a. Bon, là, il y a eu des photos. C'était déjà à l'époque de la photo. Mais il y a très peu de documents. Et la difficulté, c'est on a besoin, pour faire une tête, on a besoin un profil, un trois quarts, évidemment en face. Et quand il y a très peu de documents, en fait, il faut deviner le reste en quelque sorte. Sans casser. Attention, ne pas. Même si certaines choses peut-être lui sont reprochées parfois au baron de Coubertin, mais restons sur le fait que grâce à lui, ces Jeux Olympiques existent aujourd'hui. Ces idées-là n'étaient pas ses idées principales, et que finalement, ses vraies idées à lui, c'était l'ouverture au monde, la paix, le développement personnel qui existe à travers les Jeux Olympiques.